Merci pour cette invitation. C'est un bilan très très positif et essentiel pour moi. C'est-à-dire le moment où j'ai commencé à penser à ma retraite, j'ai tout de suite pensé à cette stratégie-là, c'est-à-dire apprendre les bases du développement et apprendre les bases du football en général, surtout du coaching. Et en fait, je suis passé par plusieurs cycles, peut-être des phases aussi. La première phase, c'était pour moi une phase d'apprentissage où j'ai commencé à découvrir tous les corners du développement. Et on parle ici des quatre corners, technico-tactique, physique et social. Et quand on dit social, c'est psychologique aussi. Tout est relayé, c'est-à-dire comme coach, tu dois apprendre qu'est-ce que ça veut dire technique, comment travailler un exercice technique, comment voir. C'est-à-dire ou apprendre à améliorer un joueur, un individu. Et moi, j'ai eu la chance, c'est-à-dire de côtoyer plusieurs experts dans l'Académie de Southampton et plusieurs entraîneurs au niveau même mondial. Et le dernier cycle pour moi, c'était le cycle le plus important, c'est le leader. C'est-à-dire gérer tout un groupe de staff, de minimum 12 staff. Et les joueurs et prendre les charges de l'équipe de U23. Travailler entre les seniors et les U23, c'était une expérience aussi enrichissante où j'ai côtoyé des entraîneurs comme Mauricio Pochettino et Ronald Koeman, et Claude Puel, Ralf Hasenhüttl, c'est-à-dire plusieurs entraîneurs où j'ai appris des astuces qui sont enregistrées dans ma tête. Et que j'ai pu utiliser quelques trucs aussi, quelques aspects de ces entraîneurs. Essentiel que je puisse avoir cette expérience qui m'a donné les bases. Et le AFA Pro, c'était en cours et c'était quelque chose d'essentiel pour entraîner dans l'académie. D'avoir le AFA B et le AFA A de suite. Et après, le AFA Pro, c'était pour moi un objectif personnel aussi pour que je puisse atteindre le niveau de l'équipe A et à entraîner les seniors. Je peux que parler par rapport à mon expérience personnelle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une stratégie, c'était un plan que j'ai fait avant même ma retraite, où j'ai commencé à demander qu'est-ce que je fais, comment je fais. À part ça, on a aussi le soutien des associations des joueurs et le soutien des associations des coachs ou qui te donnent toutes les informations pour qu'on puisse atteindre. Au moins s'enregistrer dans le coaching. Et je sais pas, je pense que chaque joueur, chaque personne a ses ambitions, a son environnement, a sa vision de voir les choses. Quelque chose qui nous manque en Afrique en général, pas seulement en Tunisie, en Afrique, ça nous manque. Et ça, c'est dû à plusieurs, bien sûr, aspects. Et je pense que finalement, mais généralement, chaque joueur ou bien ancien joueur, il a son choix de choisir ce qu'il veut faire après le foot. Bah, je vois pas comme une difficulté, je vois ça comme un challenge. Et je vois ça comme un rêve pour les coachs africains. Je pense que y a un grand vide entre les deux continents. Et surtout du côté de l'Afrique, en allant vers l'Europe. On a vu beaucoup d'Européens, entraîneurs, qui viennent en Afrique et qui s'exposent, et qui dominent et qui réussissent. Mais on n'a pas vu de l'autre côté. Au contraire, on n'a pas vu d'entraîneurs africains qui partent de l'Afrique vers l'Europe. Ça doit être un objectif et ça doit être on doit mettre une stratégie par rapport à ça. Ça ne va pas venir tout seul. Je pense que ça se travaille.
Ça commençait déjà, on a commencé à avoir déjà des anciens joueurs africains qui s'installent en Europe pour passer leur diplôme UEFA, pour avoir cette petite expérience dans les académies comme je l'ai fait. J'ai commencé à voir, en citant le nom des frères Touré aussi comme exemple. Ça reste un exemple positif pour moi. Ça va donner un élan pour l'ancien joueur ou bien le prochain entraîneur africain. Bien sûr, nous, on doit mettre une stratégie de développement des entraîneurs et tous les experts, pas seulement les entraîneurs, en Afrique, peut-être guidés par la CAF. Mais ça doit, je pense que c'est un bon moment, surtout après la Coupe du Monde. On a vu cinq entraîneurs qui ont présenté leur pays à la Coupe du Monde. Et peut-être la réussite, c'était le Maroc. Mais pour moi, c'était un bon exemple. L'entraîneur africain a montré ses capacités et on doit les soutenir pour qu'il puisse s'exprimer à un autre niveau. Il y a beaucoup de positifs par rapport à cette expérience-là. C'était ma première expérience en équipe A. En fait, quand c'est qualifié la première fois de l'histoire du club au play-off, c'est un succès pour moi personnel. C'était pas une saison facile parce que c'était une saison qui était interrompue par le Covid. Et à un moment donné, même psychologiquement, c'était très difficile, loin de la famille, loin de l'Europe, dans un environnement qui est différent culturellement et aussi moralement. Donc, le niveau de l'adaptation et la flexibilité, c'était haut pour moi. Et je pense que j'ai réussi par rapport à ça. Bien sûr, il y a eu des challenges, surtout des challenges sur terrain, c'est-à-dire la mentalité des joueurs, la qualité des joueurs était différente, donc c'était un peu difficile de mener ça. Mais l'essentiel était fait parce qu'on a pu amener les présidents et les propriétaires du club et surtout les joueurs ensemble. Et c'était un succès, donc on a fini la saison en play-off. Après, bon, le club, ils m'ont proposé 2 années, mais j'ai pas pu accepter ça parce que, comme j'ai dit, c'était loin, surtout loin de ma famille et loin de mes ambitions qui étaient l'Europe à cette époque. Cercle Bruges, elle représente un projet qui est très adapté à mes caractéristiques. Surtout l'équipe de Cercle Bruges, c'était une jeune équipe qui dépasse pas les 23 ans moyenne d'âge. Et ça m'a donné l'opportunité de m'exprimer comme coach. Surtout la cohérence et la compatibilité avec Yves, c'était positif. Donc on a pu monter avec l'équipe et les faire sortir de la zone dangereuse et aussi à commencer à construire. Et c'est ça, c'était le plus important pour nous. Donc c'était réussi puisqu'on a pu éviter les relégations. Et voilà, on a mis le club dans le chemin positif. Ça m'a donné aussi un élan comme coach, malgré c'était pas un premier rôle, mais j'ai eu plus que 80% de tasks et de possibilités de m'exprimer que d'habitude. L'expérience, déjà, c'était un rêve qui est devenu réalité pour moi. Et je l'ai pris avec honneur et bonheur, surtout. L'espérance, ça représente une grosse partie dans mon cœur, et donc je l'ai pris
J'ai pris cette challenge personnelle. Je suis parti à l'Espérance avec un projet et je me voyais dans ce projet. Voilà, j'ai commencé à travailler réellement sur ce projet. Et bon, comme tous les rêves, parfois tu te réveilles et tu te trouves dans la réalité. La réalité, c'était un peu différent. C'était pas impérativement, ça dépend pas impérativement de moi, mais tu sais, le succès et le projet, c'est tout un groupe, c'est tout un système, c'est toute une gouvernance qui doit être cohérente, qui doit être dans la même ligne. J'ai essayé ce que et j'ai réussi ce que j'ai pu réussir, généralement, je porte que de positif de cette expérience, que ça va me permettre, même le négatif ou bien les challenges que j'ai rencontrés, ça va me renforcer, ça va me donner un élan dans les expériences qui viennent. Et j'ai déjà commencé à rectifier quelques détails. Bah, tout simplement pour moi, c'était le manque de l'effectif, un manque de fonds dans l'effectif qui nous a coûté l'élimination, surtout dans le match de coupe de Tunisie, qui était programmé ni dans le bon moment, ni dans le bon environnement pour moi. Je suis revenu au Cercle Bruges, ils étaient 16e, dernier dans le tableau. Donc progressivement, on a commencé à travailler pour sortir de cette zone dangereuse. Et le moment quand on est sorti, surtout avant la Coupe du Monde, donc on a commencé à planifier et préparer le prochain challenge. Et tout de suite, c'était atteindre la 8e place. Ça peut nous donner les playoffs de la Coupe d'Europe, mais ça reste une réussite, je pense, que c'est-à-dire on a tourné la saison de négatif au positif et j'ai pu c'est-à-dire aider cette équipe et ses joueurs et le staff avec ma petite expérience. En termes footballistiques ou bien sportifs, je pense que c'est différent déjà le niveau. Il est clair que l'Angleterre, surtout la Premier League, c'est un autre niveau. Ici, ce qui est bien, c'est que le championnat, il est considéré un tremplin pour les jeunes talents, c'est-à-dire les jeunes internationaux qui viennent de d'autres pays. Même quelques Anglais viennent ici voilà, pour jouer, pour s'exposer et pour jouer et pour peut-être revenir, réussir ici, et revenir en Angleterre. Et c'est le cas pour les entraîneurs aussi, parce que j'en ai vu quelques entraîneurs, ils sont venus ici, tels que Vincent Kompany. Voilà, donc c'est un championnat où tu peux apprendre, et tu peux t'améliorer pour aller à un autre niveau. En fait, c'est un tremplin. Mais généralement, quand tu regardes un match belge entre deux équipes belges, c'est le ping-pong. Donc, c'est-à-dire le match, il peut finir 4 à 5. Je pense que la Tunisie, elle brille en Afrique, avec le peu qu'on a. On reste parmi les grandes nations en Afrique. La compétition, elle est là. C'est-à-dire la Tunisie, on existe, mais pour finir ce petit pas-là, quand on arrive aux demi-finales, ou bien quand on arrive parmi les quatre derniers, on a besoin de plus. Ce plus-là, je pense que je pense qu'on doit travailler sur ça.
Je sais qu'au niveau de la fédération, il y a beaucoup de travail, surtout au niveau des binationaux. On est en train de voir des jeunes joueurs qui intègrent l'équipe nationale, qui sont bien formés en Europe, qui ont la chance aussi de choisir entre la Tunisie et un autre pays européen. Et c'est bien de commencer à voir que ces binationaux, ils sont en train de choisir la Tunisie. Ça, c'est positif. Je pense que c'est le moment de commencer à réfléchir comment on peut améliorer notre football local. Parce que je garde un souvenir, un bon souvenir, la Coupe d'Afrique, mais tout le long de sa période là-bas. Mais il y a une question qui me dérange un petit peu, franchement, parce que tu as mentionné deux anciens, Ziyech et Mehdi. C'est des joueurs que je garde une amitié personnelle, très forte amitié. Mais après, la question qui me dérange, c'est que ils sont où? Les anciens joueurs, et je ne parle pas seulement de notre génération, je parle des générations, des joueurs qui ont leur nom, qui ont leur notoriété avec le public général, mais qui ne s'expriment pas, qui ne sortent pas, c'est-à-dire dire ce qu'on doit faire, qui ne sortent pas diriger ou bien guider le public général. Qui a besoin d'entendre la vérité, qui a besoin d'entendre la réalité, qui a besoin de voir des anciens joueurs, comme tu as mentionné, qu'on a peut-être oublié complètement, qui disent la vérité, parce que c'est des joueurs, ils ont eu l'expérience en équipe nationale, ils ont eu l'expérience dans le championnat tunisien, ils sont en train de voir ce qui est positif, ce qui est négatif, et qu'ils connaissent. C'est-à-dire, eux, ils ont besoin seulement d'un petit recyclage dans la spécialité qu'ils veulent faire et intégrer le football tunisien. Et c'est ça qui manque, en fait. Je pense le fait que parti en Tunisie, donc j'ai ouvert les portes de l'Afrique et du monde en général, parce que le plus important pour moi, c'est le projet sportif et le moment où je puisse c'est-à-dire réaliser ce projet, peu n'importe les pays, peu n'importe le club. Le plus important pour moi, c'est personnellement, c'est ma progression comme coach. Et après, généralement, c'est implémenter ma philosophie et ma façon de voir les choses pour atteindre des objectifs. Un, c'est gagner les titres et gagner des championnats ou bien des coupes. Et deux, c'est-à-dire donner un exemple aux jeunes joueurs et aux jeunes entraîneurs. Ça fait un bon moment que je suis en train de suivre Tunisie Foot, donc félicitations de ce que vous faites, félicitations de ce que vous êtes en train de produire. Il faut continuer à passer le message, il faut continuer à passer les messages positifs et les messages réels, loin des buzz, loin de la propagande médiatique. Pour moi, le plus important, comme ancien joueur qui est né en Tunisie, qui a progressé et développé en Tunisie, qui porte le drapeau de la Tunisie, le plus important pour moi, c'est voir notre Tunisie, notre football tunisien briller au monde. Pour le moment, on est un peu touché par des challenges. Et par des problèmes sociaux et éducation. Donc, j'espère qu'on puisse améliorer ça et voir notre football en général qui brille dans le monde.
Et pourquoi pas, c'est-à-dire atteindre le quart de finale, fait le Coupe du Monde 2026. Inch'Allah, ça va donner un élan, et ça va donner un élan à tous nos jeunes Tunisiens, joueurs, entraîneurs, et surtout les fans qui sont très très fidèles à la Tunisie.